Alors, je m'appelle Olivier. Moi, j'ai travaillé dans un foyer de vie pour personnes handicapées psychiques et schizophrènes à Saint-Joseph-de-Rivière, qui s'appelle la Maisonnette. Alors, notre projet, en fait, c'était d'accompagner les résidents dans la création d'une commission loisirs. Donc, en gros, c'était de les autonomiser le plus possible pour leurs loisirs, quoi. Donc, par exemple, on a mis en place un café-échange tous les vendredis après-midi. Et donc, c'est un moment où tout le monde se rassemble, où on a à peu près tout le foyer de vie. Et là, le but, ce qu'on a fait là pendant 6 mois, parce qu'on a mis ça en place à partir de janvier, c'était qu'à la fin du projet, ils puissent le faire eux-mêmes, c'est-à-dire l'organiser, et faire le café-échange à notre départ, ce qui est le cas. Ensuite, on a fait d'autres projets. On a participé à un projet avec la commune de Saint-Joseph qui s'appelait Rêve d'eau. On a réalisé avec les résidents une espèce de maquette flottante avec l'aide d'un modéliste aussi. Pour la fête du village où tout le monde faisait flotter des petites embarcations sur le lac. Et voilà, donc du coup c'était assez bien, le contact avec le public. Et voilà quoi, c'était un bon projet, on avait une bonne équipe,